Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Retour des scènes oblige, je vais vous montrer quelques unboxings de vidéos. J'ai un programme assez chargé, donc du coup je ne sais pas encore dans quel ordre les vidéos vont apparaître sur la chaîne, entre les unboxings, les règles qui devraient arriver. Je vous présente Underwater City, qui est un gros jeu, donc qui est sorti sur pour Essen, de Vladimir Souki, un petit auteur qui commence à refaire un petit peu surface. On l'avait pas vu depuis un petit moment, et l'année dernière, et puis cette année il revient, donc avec Delicious Games, qui est, je crois, une nouvelle maison d'édition. Je me demande pas si moi-même si c'est pas lui-même l'éditeur, enfin j'en suis pas sûr. Donc on est sur un jeu pour joueurs, on est sur plutôt du gros jeu. 40 minutes par joueur, 1 à 4 joueurs, donc il y a bien un mode solo. Moi, comme d'habitude, je ne vous parlerai pas du tout du mode solo parce que je ne joue pas en solo. Je vais vous montrer là, juste cette fois-ci, l'intérieur du matériel. Ce jeu est en anglais pour le moment. Il murmure qu'il y aurait peut-être une VF qui devrait arriver, mais rien n'est signé, on n'a aucune info là-dessus. Il y a des bruits qui courent apparemment sur le salon, qui auraient peut-être une localisation de ce jeu. En tout cas, si localisation il y a, je pense qu'elle arrivera sûrement pas tout de suite, puisque il y a du texte sur les cartes, et on sait que quand il y a du texte sur les cartes, ça met toujours du temps avant de trouver la VF. Je vais vous montrer un petit peu donc, du coup, le matériel. J'avais quelques doutes qu'en l'ayant vu sur le salon, en disant que le matos était un petit peu cheap par rapport à ce qui se fait maintenant, mais finalement, quand j'ai ouvert et que j'ai vu le matos, à part effectivement les plateaux individuels que je vais vous montrer, en ensemble, on est sur du matériel en fait classique, hein, qu'on peut trouver maintenant, et même quelques matériels plutôt de bonne qualité. Alors, pour vous montrer un petit peu du coup la règle, comme je vous dis, on est plutôt sur un jeu pour joueurs. Les premiers retours sont plutôt bons, certains disent que ça traîne peut-être un petit peu en longueur. Maintenant, c'est les premières parties, c'est le retour de Essen. Il y a beaucoup, beaucoup de jeux à essayer. Il faut savoir prendre le temps de le jouer et y rejouer, parce qu'on veut enchaîner et passer au jeu suivant. Donc, de vraiment prendre son temps pour pouvoir le savourer. Pas mal de. Voilà une règle avec pas mal d'explications, hein. Mais la règle ne semble pas trop, trop compliquée. Hop, voilà, donc là ça c'est pour la règle. Le matériel, bon là je ne vais pas trop rentrer dans le détail. On est ici tout un ensemble de tokens en carton. Des petites dames comme ça, parce que donc là on va explorer et développer notre cité sous l'eau. Voilà, donc là ici on a tous ces petits. Ce petit matos. Donc le jeu Essen est à 45 euros si je ne me trompe pas sur le stand de l'éditeur. Tout un ensemble de jetons ici, de petites pastilles aussi en plastique. Je pense un petit peu aux pastilles qu'on pouvait retrouver dans Pulsar qui est sorti l'année dernière. Voilà, tout encore un ensemble de jetons qu'on va pouvoir mettre. Je vais vous montrer après, je vous montre aussi les plateaux individuels. Encore du matériel, hop, et puis comme je vous dis, c'est un jeu quand même basé essentiellement sur des cartes. Ici, les aides de jeu. Donc il y en a 4 pour chaque joueur. Donc là, effectivement, pareil, on est sur du très très fin. Mais bon, c'est quand même bien plastifié, mais c'est quand même vraiment assez fin. Et les plateaux des joueurs, pareil. Donc effectivement, ça c'est vrai. Aujourd'hui, on n'est plus habitué d'avoir des plateaux fins comme ça. L'avantage, c'est qu'au moins, ça ne va pas du tout gondoler, parce qu'on a des plateaux des fois un peu épais. À peine on les sort, ça gondole de partout et ça bouge. Là, vous êtes sûr que ça va ne pas gondoler avec des plateaux, mais c'est vrai que c'est un peu fin, mais c'est plutôt bien plastifié. Enfin, le plateau central. On va y jouer les cartes. Qui est recto verso. Donc là, on est sur le plateau 3-4 joueurs. Hop. Et on va voir l'autre côté, qui est le plateau, du coup, ici, 1 à 2 joueurs. Donc ça, c'est plutôt bien aussi, quand on joue à deux, d'avoir des réglages pour 2 joueurs. Et là, donc, un joueur pour ceux qui font du solo. Enfin, comme je vous disais, c'est un jeu quand même basé avec mécanique de cartes. Il y a du texte. Mais pareil, apparemment, rien de gênant au niveau du texte. Il y a surtout les icônes qui vont être là-bas en dessous, qui vont plus rapidement vous faire comprendre les actions que vous allez pouvoir faire. Et du coup, ça fait un petit rappel des actions que vous allez avoir ici en haut. Bon, il y a des cartes fin de partie, il y a des cartes immédiates, il y a des cartes qui vont se jouer pendant infini pendant la partie.
J'ai pas encore joué, donc je peux pas trop vous parler encore des mécanismes. J'espère y pouvoir y jouer très rapidement, parce que ça c'est vraiment l'un des jeux que j'attendais pas mal en fait pour ce salon. Puis finalement, en ayant vu le matos, je me suis un petit peu refroidi. Et puis non, je l'ai passé en commande du coup chez Philibert pour l'avoir, parce que les retours étaient plutôt bons et je voulais pas passer à côté. Je crois qu'actuellement il est peut-être maintenant en rupture, mais il devrait bientôt revenir, je pense. Hein, il faudra surveiller pour ceux qui le cherchent sur Philibert, ça devrait pouvoir rentrer de nouveau le paquet de cartes. Voilà, je sais pas, je vous dis, on va pas traîner plus longuement sur la vidéo. Je voulais juste vous montrer un petit peu les jeux que j'ai pris, donc je vous dis au salon. Donc on est, comme je vous dis, sur le salon d'Essen, les nouveautés qui sont arrivées. Et je vous dis, on est plutôt sur un jeu joueur, gamer. 40 minutes par joueur, donc ça annonce tout de suite un petit peu que il va y avoir logiquement de quoi un petit peu se triturer la tête sans que ce soit non plus une usine à gaz ni que ce soit trop complexe. Voilà. J'espère que cette vidéo donc vous a plu de Underwater Cities de Vladimir Souki. Voilà, j'espère que cette vidéo, comme je vous dis, vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à ciao, bye bye pour une autre vidéo.